Bien sûr, ce sont des problèmes extrêmement complexes et nous avons des divergences là-dessus. Mais il est à noter qu'avant tout, nous sommes déterminés, tous les deux, à poursuivre notre dialogue professionnel sur toutes ces questions, ce qui est indispensable. Je comprends que de temps à autre, il peut y avoir des mécontents. Ici en Ukraine, il y en a aussi lorsqu'il s'agit des propos que nous devons tenir. J'espère que tout le monde comprend la mission de l'AIEA, la base technique de ce que nous faisons et notre compromis inébranlable avec la sécurité nucléaire. Et cela sera ainsi, quelles que soient les différentes difficultés auxquelles nous pouvons faire face. Les deux parties ont noté la réaction rapide et efficace de l'AIEA aux menaces dans la région de Kursk, à la centrale nucléaire de Kursk. La délégation dirigée par le directeur général, s'est rendu rapidement sur place et a déterminé, principalement déterminé, les menaces qui ont été causées à cet important site nucléaire russe. Il a été convenu que des spécialistes de l'AIEA continueraient à observer ce régime de veille et de réaction immédiate et se rendraient immédiatement sur place au cas où de nouveaux risques, de nouvelles menaces pour la centrale de Kursk seraient constatées. La discussion sur la présence permanente des membres de l'AIEA à la centrale nucléaire de Kursk se poursuit. La situation à la centrale nucléaire de Kursk, à Kurchatov, est très différente de celle de Zaporojie. En ce sens, le travail sur le site de Kursk exige des discussions constantes. La sécurité générale de la centrale nucléaire de Kursk, notamment les employés de la centrale, ainsi que les habitants de la ville de Kurchatov, sont menacés directement. Il est aussi important de comprendre l'aspect technique liées aux différences de structure des réacteurs de grande puissance à tubes de force placés à la centrale nucléaire de Kursk par rapport à ceux de Zaporogier. À Kursk, il n'y a pas de puissante protection en béton du réacteur. C'est pourquoi même une arme légère ou une attaque de drone pourrait avoir des conséquences irréversibles. Et nous sommes absolument solidaires avec les dirigeants de l'AIEA qui pensent qu'une attaque de la centrale nucléaire de Kursk porterait un coup à l'industrie de l'énergie nucléaire de toute la planète.